Salut à tous, c'est Tao Gamer et aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo sur les Sims 4. Et aujourd'hui on se retrouve sur le challenge Place du Marché. Donc on se retrouve avec Laure donc, qui est en train de réfléchir à ce qu'elle va faire de sa journée. Donc dans cet épisode je pense qu'on va aller débloquer deux pièces. Donc cette pièce, donc celle-ci il faut avoir une compétence niveau 6. Puis celle-ci où la carrière doit être niveau 3. Du coup bah c'est parti, on va faire ça. Donc là à la prochaine journée elle va aller au travail, comme ça elle sera promue et elle passera au deuxième stade de son travail. Ok, donc là on peut jeter une pièce. On va voir ce que ça fait, j'ai jamais fait ça. Peut-être qu'on va gagner de l'argent. D'accord, ça fait rien. Ok. Donc là elle a envie d'aller aux toilettes. Donc bah c'est parti hein. On perd pas de temps. J'aimerais bien lui trouver quelqu'un dans cet épisode. Donc on va aller souvent en boîte de nuit et tout. Donc dans le dernier épisode, on avait acheté une douche, un grand lit avec une petite table de chevet, avec une table pour manger et tout. On avait débloqué le couloir, puis cette pièce, rappelez-vous. Et là on a le petit feu de cheminée avec la petite lampe. J'avais rajouté également des éclairages, les petits spots. Ah, oh, il n'y a plus à manger. Bon bah elle va faire à manger. Cuisiner, ouais allez. Non, on a une gazinière donc on va cuisiner quelque chose. Voilà, haricots et saucisses. Allez, fais-nous tes petits haricots et saucisses là. Fais pas tout cramer s'il te plaît. Ok, donc déjà sa compétence là elle est niveau 2. Donc faudrait qu'elle monte niveau 6. Qu'est-ce qu'il y a? Très triste. Va à l'encontre de ses principes. Ah oui, c'est vrai qu'elle est végétarienne. J'avais oublié. Approprié pour les végétariens. Bon bah fais-nous des toasts avec des œufs. J'avais complètement zappé. Mais donc c'est vrai qu'elle est végétarienne, qu'elle adore la nature et qu'elle est kleptomane. Ah oui d'ailleurs, faut qu'on aille chez Clara. Comme ça on va aller lui voler la petite lampe. L'autre fois on s'était fait attraper et il faut récolter les produits d'une plante. Mais ça je pense pas qu'on va pouvoir le faire. Ouais, le truc c'est que là, bah non en fait, on peut pas. Ouais non, il n'y a pas les fruits. Ici, je suis sûre demain il va y avoir des fruits et légumes, mais bon, on pourra pas. Nous fais pas un truc médiocre. Excellent, bah voilà. Excellent. Allez, fais la vaisselle. Avant c'était automatique, les Sims ils faisaient directement la vaisselle, maintenant ils s'en foutent, mais complet. Allez, on va aller chez Clara. Ok, on est arrivé. Clara est devant sa télé. On va aller frapper à la porte. Salut. Pitié que personne rentre. Ok, c'est bon. Ça, c'est bon. Bon, allez, on va quand même aller sympathiser avec elle. Pour faire, voilà, on va lui dire qu'on est végétarienne. On va discuter des centres d'intérêt. On va blablater un peu. Là, on pourra voler ça plus tard. Après on pourra voler quoi? La guitare là? Non. Oh là là. Non, j'ai pas eu que t'ailles là. Qu'est-ce qu'on pourra voler après? Avant ça, il me semble qu'on pouvait voler. La petite voiture là. Non. Je peux aller aux toilettes. Hello. Il n'y a pas d'autres petites lampes genre. Et dehors. Là-bas là. Non. La poubelle non plus. Bon bah y a pas grand chose. Hein. Y a pas grand chose. Donc on va surtout se prendre de la nature un petit peu. Et puis bon on va y aller, on va rentrer à la maison. Là on va aller direct en boîte de nuit. Allez, on va aller en boîte de nuit. Non, on va y aller toute seule. Ah bah génial, on l'a pas invitée mais elle se ramène quand même. Alors tu vas te mettre à l'abri ici, dépêche-toi parce qu'il pleut.
Et après, tu vas te changer parce que bah c'est quand même la fête. Donc hop, ok, elle s'est changée. Donc elle va aller danser un peu. Du coup, bah, c'est une tenue de fête. En vrai, lui, Joaquin là, moi je me dis pourquoi pas. Il pourrait peut-être se passer un truc avec lui. Parce qu'il est pas moche en vrai. C'est juste que derrière tous ses accessoires, on le voit pas vraiment. Par contre, la musique, fou! Parler de la température fraîche. On va lui demander s'il est célibataire. Pour savoir si on doit ramer ou pas. Là, on doit trouver un mec là. Parce que pour les autres pièces, faut qu'on se marie, faut qu'on fasse des enfants. Joaquin est célibataire. C'est cool ça. On va lui faire une petite blague. Oh, il a rattrapé notre baiser. Allez, on va voir si on l'enlace, s'il accepte ou pas. Oh, bon bah lui il est réceptif, c'est parti. Envoyer un baiser. Échanger les numéros de téléphone. Oh, on a promis le baiser. Complimenter l'apparence. Draguer. Envoyer un baiser. On a plus le premier baiser. Allez, premier baiser. Ok, on va voir. On croise les doigts. Ah, il est très réceptif en tout cas, ça c'est cool. Voilà, il n'y a plus de musique, tout le monde nous regarde. Oh, elle est très enjôleuse. Oh, ils s'embrassent. C'est si mignon. Amour. Demander d'être son petit ami. Est-ce qu'il va accepter? Nous, on va très vite. Nous, on perd pas de temps. Allez. Oh là là. Essayer de faire un bébé dans le placard. Non, on va d'abord faire crac-crac. Puis on l'invitera. Demain, on l'invitera à manger chez nous. On va l'inviter. Il y a un placard même. Ah ouais, là. Ah bah Marcus, il danse tout seul, lui. Oh là là. C'est vraiment privé ici, un peu. En fait, il s'entraîne. Oh là là, il y a des feux d'artifice de partout. Ok. Tac. Du coup, on va l'inviter à rester dormir. Hein. Déjà, on va lui donner les clés de la résidence. Parce qu'on lui fait super confiance, maintenant. Et c'est où, déjà? Inviter à rester dormir. Allez, dis oui. Et voilà, du coup, elle va prendre des restes. Parce que ce serait bien qu'elle mange quand même. Et qu'elle aille prendre une douche. Ah bah, elle est allée au travail. Elle rentre vers quelle heure? Ah bah, c'est bientôt le jour de l'amour. Ça, c'est génial. Elle rentre à 15h. Bon bah, dans 5h. Bon bah, Joachim. Ah bah, il rentre. Au revoir. Performance au travail. Bah elle a pas été promue. Oh non. Oh là, il nous a appelé. Elle aura voudrais-tu aller en rencard avec moi? Oh mais bien sûr. Bon bah on va aller en rencard. Hein. Nous sommes arrivés en rencard. Ah voici une nouvelle tenue. Celle-ci je crois que vous l'avez jamais vue. Bon et eh bien. Oula. Mais il est où lui? Mais il est où mec? Quoi? Attendez, il nous a invité à un rencard, il est même pas là? Non, non, mais il va revenir. Mais, oh, mais d'où? On va le demander un mariage en plus, regardez cette vue magnifique, quoi. Certes, il y a un peu de brouillard, mais regardez. C'est trop beau. Il est là? Il est là. Ok. Allez. Déjà, on va lui demander de rejoindre le foyer. Demander de rejoindre le foyer. Allez, accepte. Viens habiter avec moi. What? D'accord. C'est une façon de se dire bonjour, hein, comme une autre. Allez, viens rejoindre mon foyer. Finalement, on va peut-être prendre la pièce pour avec le mariage. Mais oui. Hop, donc tu viens avec nous. Oh, il était beau lui aussi, Sergio. Mais les 20 000, il reste là, malheureusement.
Mais Boom Shark Glaffy. Et coucou. You dump sub Legenzo. Moi je dis. Moochie Peachy, go. Demander en mariage. Non, 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 non. Non, mais non, mais non. C'est lui qui devait la demander en mariage. Oh là 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 là. Ça va beaucoup trop vite. Ah, ça va trop vite. J'ai envie de leur faire faire un bébé, mais bon, on va pas aller trop vite non plus. Se marier immédiatement avec Joachim. Allez, marions-nous ensemble. Oh là là. Ils se marient. Ah non, j'aurais dû les changer au moins. Bon, c'est pas grave. Au moins, on débloquera la pièce. Oh, oh c'est mignon. Oh là là. Et voilà. Ok. Est-ce que déjà j'ai débloqué cette porte? Parce que du coup on a accès et on a également accès à cette pièce. Et donc du coup, on devrait avoir accès à en haut si on met 200$. Donc moi je dis qu'on ne le fait pas tout de suite, mais qu'on le fera plus tard. D'abord on va débloquer toutes ces pièces. Après on fera toutes celles de l'étage. Puis on fera toutes celles du rez-de-chaussée. Je pense qu'on va marcher comme ça. Lui, est-ce qu'il a un travail? Ah oui. C'est ce que lui doit pas avoir de travail en fait. Donc tu vas quitter ton travail. Hop. Démissionner. Voilà. Démissionner. Non, 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 c'est pas triste. C'est pas triste. Ah bah lui, il va bien lui. Oh là là, regardez les plantes. Elles sont en train de pousser. Oh, est-ce qu'elle peut récolter? Oh voilà, elle va pouvoir récolter. Non, 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 après. D'abord tu récoltes et après tu vas dormir. Et toi, bah... Lui, il va aller dormir. Quoique, je pense qu'on va le relooker. Voilà, modifier dans créer un Sims. Joaquin relooké, donc ça c'est sa tenue quotidienne, habillé de sport, de sommeil, de fête, maillot de bain, de temps chaud et de temps froid.
Voilà, donc son petit relooking. Donc je l'ai fait vraiment vite fait. Peut-être que je retoucherai ses tenues ou j'en rajouterai hors caméra. Alors, où en étions-nous? Elle travaille pas. Ah bah c'est le jour de l'amour. Qu'est-ce qu'il a? Bah non, prends des restes. On a faim à manger. Non, non, non. Toi t'es pas végétarien donc tu vas manger les haricots saucisses. Voilà. On va reprendre des restes. Par contre, on va devoir acheter une deuxième chaise. Voilà. Après, elle mange. Une fois qu'elle aura mangé. Elle va abandonner la toile pour en faire une nouvelle. Elle va où? Ah bah génial. Tu pourrais quand même changer de tenue. Il fait un peu frais, du coup j'ai décidé de lui mettre une tenue de temps froid. Comme ça au moins elle aura pas froid. La voici. Lui il doit aller aux toilettes, mais lui aussi il va changer de tenue. Hop. Du coup, il faut que je lui trouve un truc à faire. Bah allez, il va aller jouer aux échecs. Voilà, t'as mangé. Tu vas faire une toile représentant un Sims. Ah bah d'accord. Génial. Le respect est mort. Très clairement. Wow. Dis donc, elle s'applique là. Hop. Ah, mais, ah bah d'accord. Elle en fait toute seule. Non, 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 non. Wow, j'ai jamais eu cette toile. Allez, on la revend. On est spécialisé dans l'art des Sims. On sait les représenter, les dessiner. T'inquiète. La compétence peinture 5. Ah, on est presque au niveau 6 là. Là, je pense qu'on fait 2-3 toiles et c'est bon. Allez, on la revend. On en refait une petite. Allez, 95, 97, 99. On est au niveau 6, du coup on a débloqué la pièce. Donc compétence niveau 6, c'est cette pièce-ci. Du coup bah, on va la débloquer. Et on gagne avec ça 800 simflouz. Money. Oula. Moi j'ai dit 800, du coup ça nous fait 2459 simflouz. Voilà, 800 simflouz, donc ça c'est super. Donc voilà, on va s'arrêter là, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, mettre un maximum de likes et à vous abonner car ça fait plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, c'était Togamer.